Les joies de la conduite matinale. Direction la Slovénie. On a peut-être trouvé l'origine du problème de la chaleur dans cette voiture. La clim en fait fonctionnerait plus ou moins bien. Mais en fait le truc c'est que le pare-brise il doit pas être anti-UV, enfin il y a toute la chaleur qui passe à travers. Et vu que le tableau de bord est noir de chez noir, et ben il absorbe toute la chaleur et il réchauffe tout l'habitacle. Donc il fait super chaud. On a trouvé un système plus ou moins efficace, on va dire, ouais. À savoir le tissu. De la Slovénie, près d'Yamakasal. On utilise des serviettes pour fraîcher la voiture. Pire, c'est que ça marche. Nous voilà enfin dans un endroit plus frais, les gorges de Vingard. Après beaucoup de routes de voiture, ça fait du bien.
troisième étape de cette journée, le lac de Bled. Ici, on est sur les hauteurs du château de Bled, le Bledski Grad. Et donc, on a une belle vue sur le lac. Maintenant, on cherche l'île qui est en plein milieu du lac avec l'église, mais on la voit pas d'ici, donc il va falloir qu'on descende et faire un petit tour du lac. On peut le voir derrière, ce soir on dort dans une station de ski sans la neige. Mais bon, il fait frais, ça c'est agréable. Et du coup on est en train de chercher l'endroit où il faut qu'on dorme, mais je crois qu'on s'est trompé de chemin. On est allé demander au... parce qu'il y a une sorte de bar tout en bas de la station. On allait demander où c'était l'hôtel, enfin ça devait être plus ou moins un chalet. Il nous a dit à 2 minutes de marche. Alors, en amont. On a pris ça au pied de la lettre et donc on est parti pour 2 minutes de marche, mais en fait on se rend compte qu'on aurait très bien pu y aller en voiture parce qu'il y a une route. Du coup on est redescendu pour prendre la voiture et maintenant on remonte. Qui dit station de ski dit chalet, et ce soir on dort dans un chalet. Avant de monter jusqu'ici au chalet, on est passé manger dans un petit restaurant dans une ville complètement paumée, je sais même plus le nom. Boiniska quelque chose. On est allé faire des courses aussi. Notamment acheter une crème snita, une sorte de dessert à la crème typique du coin. Donc il fallait qu'on goûte. Et puis on a mangé dans un restaurant pour très peu cher. Ça c'est cool. Et donc on a goûté des plats typiques. Moi j'ai pris un. Comment il appelle ça ? Krompir. Krompir ça veut dire patate. C'était des patates avec du fromage. Froid local, donc c'était plutôt sympa, assez bon. Et puis Anaïs a pris un strouli, c'est des sortes de roulés sucré salé en fait. Il y en a qui sont au fromage, d'autres ça peut être à la viande, je crois. Et en fait, ça se mange avec du sucre à la cannelle, et donc ça fait un goût sucré salé, c'est presque. Presque un dessert en fait. Ici il n'y a pas de clim, mais on n'en a pas besoin parce qu'il fait suffisamment frais et c'est plaisant. Demain on conduit beaucoup moins que les autres journées, on a 2h30 de route, donc ça va, c'est cool. En revanche, on va beaucoup marcher, on fait un petit trek dans les montagnes slovènes et ensuite on va aller jusqu'à Ljubljana. On va faire le tour de la ville, donc une quinzaine de kilomètres, un peu moins peut-être. C'est quand même vachement pentu. Est-ce que je passe avec mon sac ? Oui.